Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Binding of Isaac Rebirth. La dernière fois on s'était fait une run avec Judas, et cette fois-ci nous allons faire une run avec Eve. Donc petite présentation de Eve, elle a 2 points de vie. Oui, 2 points de vie, c'est bien ça. Ouais, c'est bien ça, excusez-moi. Elle a 2 de vitesse de base et 1 d'attaque, donc c'est le personnage avec le moins d'attaque du jeu. Avec Sanson aussi, mais Sanson a un objet pour l'augmenter au fil des salles. Alors son objet, le Dead Bird, c'est quand elle se fait toucher un oiseau mort, comme dit le Dead Bird, attaquera les ennemis en leur faisant quelques dégâts. Et sinon il y a le War of Babylon, c'est quand on est à un cœur ou en dessous d'un cœur, nous passons en mode, mode Babylon, qui nous fait augmenter nos dégâts pendant tout le temps qu'on est à un cœur ou en dessous. Donc, je vais vous montrer, déjà pour le War of Babylon. Voilà. Donc déjà Guppy's Head, on commence bien. What a herby, I'm night to have curse. Voilà, donc c'est ça, et mes dégâts sont augmentés de 2. Par contre, si je joue comme ça, il faut que je fasse, faut pas que je me fasse trop toucher, parce que ça devient un peu dangereux. Donc j'ai la tête de Guppy, ça c'est très bien. Ah, ça c'est mauvais par contre, regardez là, il y a le Delbird. Est-ce que je vais déjà mourir? Telle est la question. J'ai eu chaud. Donc j'espère que vous allez bien, que vous pétez à la fond pour ce qu'on a, oui. Bah chaud, chaud, chaud. Oula. Je joue à un jeu dangereux, moi. De biker ici, je peux pas, j'ai pas de bombe. Allez, voilà, on descend. La salle du boss, non merci. Là, il y a un cœur, mais je peux pas le prendre. Vraiment dommage. Donc, j'espère que vous m'entendez bien, que le son est correct, etc. Comme d'habitude. Donc, j'espère pas mourir maintenant parce qu'on a un bon start. Donc, c'est dommage. Voyons, espérons que j'ai un bon objet par contre ici dans la salle. D'accord, pourquoi pas. Ça peut le faire. Hein. Ça ne me dérange pas. Donc la salle secrète est ici. Ah non, même pas. J'ai dit n'importe quoi. La salle secrète peut être... ici. Non, bah ici. Voilà. Amnesia, Bunch of Steel, Lock Up, ça c'est très bien. Bon, le Amnesia ne me dérange pas trop parce que... Ah oui, donc on va faire comme ça pour pouvoir exploser... Ah, presque. On va exploser ce coffre parce qu'il peut avoir un objet à l'intérieur. Et ben non, ce sera des pièces. C'est mieux que rien, on va dire. Donc on va faire le Boss Widow. Ah d'accord, c'est du comme ça, donc c'est assez chaud. Là le Dead Bird va m'aider un peu. Clairement quand il fait une flaque comme ça, c'est en mode normal, il fait tomber un nid, mais là il fait tomber des grandes araignées. Oh oui, très bien ça. Ah, j'aurais jamais dû faire ça par contre. C'est pas grave. Je ne suis plus en Curse of Babylon. C'est dommage. Des dégâts s'il vous plaît. Was I up? Enfin phase up, pourquoi pas. J'ai toujours pas pris de Devil Deal. Ça peut être utile. C'est la salle de donation. Voilà, c'est ce que je voulais, c'est ça. Water War Rebel Knight. To have curse. D'accord. Ce qu'il me faut du dégât minimum. Ce qui m'offre seulement ses dégâts pour le moment, c'est ça, c'est le War of Babylon. Et comme j'ai beaucoup de cœurs bleus, donc je pourrais survivre sans trop de problèmes. Si ce n'est dire sans aucun problème. Si je ne fais pas n'importe quoi comme je le fais d'habitude. Hein. Bon allez, on tente. Oh oui, bah, j'ai bien fait de tenter, voilà. Parce que ça, c'est un objet très intéressant, ça augmente de 1 mes dégâts, mais c'est déjà ça. Alors ça c'est ça les kamikazes que j'ai dû faire
vous les avais déjà montrés pour pouvoir débloquer The Lost, le personnage de Lost. On tente. Une machine à sous. Non merci, je garde tout ce que j'ai. Non, je vais one shot, c'est caca. Alors ce qu'il me faut là, c'est de la vitesse d'attaque. Vitesse d'attaque dégâts, c'est suffisant. Ou de la range aussi. Vitesse range, ça me va. Des bombes, très très bien. Un cœur spirituel de plus. Allez, voilà. Allons-y. Dingle, dingle, dingle. Est-ce que tu vas me rusher dessus? C'est ce que je pensais. Là, je suis plus rapide que toi, donc tu ne peux pas trop me rusher dessus. Ah bah alors, tu rushes beaucoup toi aujourd'hui. Est-ce que tu vas siffler au moins une fois? T'auras pas le temps. Dommage pour toi. Ah, flûte, j'aurais pas dû prendre ça. Bien dommage. Pas grave. Ah, lockdown. Mauvais. Ce que je vais aller faire, c'est que je vais les... Comme j'ai des cœurs, je vais utiliser la machine à 100 pour que je retourne à un cœur. Donc ça prend pas les cœurs... Les cœurs bleus ou ce qu'il y a, ça prend juste les cœurs rouges avant d'entamer les autres cœurs. C'est ça qui est très utile. Et... Voyons voir... Voilà. On va l'exploser. Non merci. Donc là on est très bien parti, on va dire. Enfin, c'est un bon début. Pour mieux démarrer, mieux démarrer encore, on aurait pu avoir le blood bag à la machine à dents du sang. C'est comme pour la machine de fortune. Ah bah alors là. Comment être plus chanceux qu'avec un gup qu'avec ça. Oh non. Bon, au moins ce qui est bien. Oh non, j'aurais pas dû prendre ça. C'est pas grave. Dire que c'est bien. Il faut une machine à dents du sang là. Bon, je prends ça, hein, de toute façon. Je suis pas prêt de le perdre. Hein. Je suis à 2 d'attaque, je suis comme si c'était une attaque de base, j'aurais préféré être au double, mais bon. Range down, mauvais, mauvais. Il me faut une clé au moins, 2 ce serait très bien, comme ça je peux y aller, je peux aller au shop en même temps. Par ici. Tout au fond, on monte. Une clé s'il vous plaît. Je demande pas grand chose, juste une clé. Radin. Parce que je vais vraiment être à court de dommages. C'est ça qui va être le plus dur. Ah. Bordel, il me faudrait. Ah, j'ai pas vu qu'il restait une salle. Oups. Oh oui, très bien. Faisons cette salle juste ici. Donc on est vraiment un peu lent là, je sais pas si on a fait qu'un seul boss ou deux. On a fait déjà 2 boss, mais enfin, déjà. Je me comprends. Alors ce que j'ai l'intention de faire, c'est aller ici pour prier qu'il y ait une clé à l'intérieur. Voilà. Acheter cette bombe. Et le reste je le garde pour les prochains étages. Enfin, c'est vrai que j'aurais pu acheter, j'aurais pu faire plus bénéf, j'aurais pu prendre plus de bombes, mais... Alors là j'ai le choix, regardons ici, il peut être là, il peut être là aussi, j'envisage ici. J'ai eu la chance, c'était une chance sur 2. Ça rembourse ma bombe.
Alors, qu'est-ce que c'est? Forever Alone. D'accord, encore plus de mouches. Est-ce que je deviendrai le Duke of Fly dans cette partie? Non, j'ai qu'une seule mouche, donc je ne deviendrai pas le Duke of Fly. Duke of Fly, c'est comme Guppy, mais sauf qu'on a plein d'orbitaux en mouche, quoi. Ouh là là, ça va être très long. Ah, flûte, très long. Et ça va être très dur. Là, je suis en train de tout perdre. Et si je peux taper encore plus fort. Ah non, voilà, je suis. J'étonnerais pas que je perde là. À cause de ma connerie. Mais qu'est-ce que je fais, moi, pour lui passer devant comme ça? Je suis un vrai mongol. Là, j'ai perdu tous mes cures spirituelles. C'est... J'ai fait n'importe quoi. On était très bien parti pour gagner. Là, on est. Ah, pas des HP up avec ce personnage, s'il vous plaît. Des dégâts. Donnez-moi les faux de Death, je sais pas. Donnez-moi quelque chose au moins. Oh là 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 là, je fais n'importe quoi. Ah, quelque chose de bien. Une bonne pile. J'ai jamais compris l'utilité de ça. Ça redonne tous mes cœurs, je sais pas. Ça donne un petit bonus ou. Donc je sais que la salle secrète n'est pas en haut. Ah, première fois que je vois cette araignée, je crois. Allez, donnez-moi des dégâts, je vous en supplie. Des dégâts. Pas la Bible, des dégâts. Alors. Ah, mais bordel, mais je suis vraiment très nul. Cœur spirituel, ouais. Une clé. C'est bon, je garde le reste. Ah, c'est vraiment dommage, c'est ça le plus dur avec ce personnage, c'est d'avoir des dégâts. Mais si on a des dégâts par contre, c'est win. Hein. Oh mais non mais. Je me prends deux de ces dégâts gratuitement, désolé, je fais vraiment n'importe quoi. Je me concentre plus là. Un cœur bleu, bizarrement j'ai beaucoup de cœurs bleus, je m'y attendais pas. Niveau cœur là je suis bien mais c'est dégâts qu'il me faut maintenant parce que bon, ça va être très long. Oh mais genre il m'a anticipé, genre. Non mais d'où? Non mais. Ouh là là, j'ai failli encore aller dedans, c'est n'importe quoi. Bombe Arki, ça veut dire que j'ai plus de clés, j'ai que des bombes. Oh non, oh là là, ça va prendre une éternité. Oh là là, ça va prendre du temps. Oh là là, on est parti pour 5 minutes de envie, ça va être marrant. J'utilise mon orbital pour pouvoir leur faire des dégâts parce que ça fait plus de dégâts que moi en fait, c'est ça le truc. Donc. Voilà. Comment jouer en mode hardcore en attaquant pas et en utilisant l'orbital seulement. Choup, da whoop. Fire in my laser. Non merci, je préfère ça. De très long. Il me faut une machine du sang là pour que je puisse récupérer perdre mes cœurs là. Non bon.
Et bien sûr, je vais dedans comme un gros mongol. Je ruine mes chances de gagner. Ah, voilà ce que je cherchais comme ça. Ah ouais, ça va être dangereux. C'est pas grave. Oui, je sais, je m'occupe du dangereux en dernier. Je suis un malade, moi. Voilà. Oh merde. Oh, je suis un noob. Oh, j'ai fait de la merde. Oh, j'ai fait de la merde. Oh, je suis un mongol. Là, il me faudrait un démon mendiant. Comme ça, je peux utiliser tous ces cœurs là. Il faudrait ça, quoi. Mais c'est très bien que je l'aurai pas. Bon, on va exploser ça. On va exploser ça. Ah, je suis pas dégoûté d'avoir le bootbag, mais quand même, quoi, avec ce personnage. Ça fait que j'ai plus de dégâts, quoi, j'ai plus rien. Oh, ça va être vénère, là. Je suis deuxième, je suis catacombe 2, d'accord. D'ailleurs, on avait débloqué les catacombes au dernier, enfin, à la dernière run. En ayant fait tous les boss de caves. Si je me rappelle bien, c'est dû à ça. Ah, celui-là, ouais, putain. C'est là que j'aimerais avoir le Book of Belial, là, quoi. Ah, ça a l'air de faire très mal quand même ma mouche. Je la fais. Je me fais les boss à la mouche. Moi, je fais du mode hardcore, mais hardcore. Heureusement qu'on Delper est là pour m'aider. Hein. Voilà. Ok. Je m'y attendais pas, mais. Si tu insistes. On va chercher la salle secrète. Qui, si je ne m'abuse, devrait. Non, pas par ici. Ici. Voilà. Des clés, d'accord. Il me reste deux étages avec des objets. Sinon, après, il faudrait que j'ai de la chance de les trouver dans les coffres en or. D'accord. On reviendra ici à la fin. Sloth, pourquoi pas. Le mode hardcore du jeu, c'est de tout faire. Victime, on n'attend même pas. Oula. The Moon, nice. Enfin le premier. Déjà le premier truc comme ça. Oh, des pièces et des pièces et des pièces. Alors là, vraiment, des pièces et des pièces, quoi. Bon. On va tenter ça. Passer dans. C'est bien ce que je pensais. Je pense pas qu'ils puissent dropper des objets, ceux-là. Oh, mais bordel, je fais vraiment n'importe quoi. Et en plus, je les pousse tellement, quoi. Là, je vous risque. Ah bah, j'ai bien fait. Enfin, bien fait. On va voir ce qu'il va me donner. Si tu me donnes n'importe quoi, bombarki et bol de style. On va prendre buzzer style. Et on garde le bombarki au cas où, pardon. C'est du worse. Tout est worse là-dedans. J'ai bien envie de tenter. Oh là là, les dégâts, ils sont nombreux. Oh, faut que je retrouve une machine du don du sang là.
C'est urgent. J'arriverai sûrement à finir le jeu, enfin à finir la, cette run là, mais ce serait très long, ce sera très long, encore au moins 20 minutes je pense. Hein. Bon, j'ai pas de dégâts. Ils font assez bruyeux quand ils crachent, n'importe quoi. Plus c'est vrai que j'ai une vie supplémentaire, je peux avoir une vie supplémentaire si j'ai de la chance. Je pense que ça dépend aussi du, de la luck qu'on a dans les stats, c'est la stat en, avec le trèfle là, 3 feuilles. Une clé. Ah bordel. J'ai pas trouvé de shop, faut que je trouve le shop. Bon. Qu'est-ce que je fais? Je me tape contre n'importe quoi là. Bon, je me crois dans un challenge où je peux pas tirer quoi, mais bon. Je fais tellement pas de dégâts que c'est comme si je tirais pas quoi. Oui, je sais, je vais vite. Non, je ne ferai pas une blague. Ah là 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 là, chaque fois je me fais avoir. Oh! J'aurais peut-être pas dû le prendre maintenant. Peeper Eyes ou Inner Eyes? Voilà, j'ai plus de dégâts déjà. Enfin, ça s'indique pas que j'ai plus de dégâts, mais. Je suis trop. Je tire trop fort au mieux, donc. Enfin... Oh là là là, ouais, je vais perdre mon cœur spirituel au prochain coup. Va falloir pas que je prenne de coups au boss, sinon je perds mon cœur spirituel. Le boomerang, je prends ça. Et c'est tout. On va retourner en arrière pour essayer de, trouver ne serait-ce qu'un petit objet. Je veux pas tout éviter quoi. Flat penny. C'est pour les pièces normalement. Season ma buve. Oh non. Ah ça va, il y avait qu'une main. Je suis au quel étage? D'accord, je suis à Death One. Alors là, ça aurait été vraiment très bien si j'étais en War of Babylon. Mais bon, on peut pas tout avoir, comme j'ai dit. Ici, c'est monstro, ça va être très long. Ou alors non, je vais réussir à gérer, quand même malade. Non, ça va être très long. Je vais surtout perdre mon cœur éternel à mon avis. Voilà. Fallait que je le dise pour le perdre. Ne me demandez pas comment j'ai réussi à esquiver ça, mais ce que j'ai fait. Parce que je suis sûr c'est que j'ai fait. Mais je me prends tous les coups du monde, c'est pas possible. Non mais je le fais exprès là, c'est pas possible. C'est le seul moyen. Ouais, non, là je le fais exprès, là ça doit être un truc du genre, j'ai pas le choix. Non
mais c'est bon avec l'HPF, quoi. Pas avec ce personnage. Et il faudrait au moins qu'il me donne un beat pour avoir des dégâts supplémentaires, mais non, il donne le rien. C'est des radins, et puis c'est tout. Oh, c'est bordel, j'ai perdu tout mes cœurs spirituels. J'ai fait tellement n'importe quoi. Voilà, pilule range down, non merci, je garde bon barquille. Voilà. Ah, j'aurais dû utiliser ça avant, flûte. J'avais pas vu que j'avais déjà une charge. Oh non mais non mais non là là. On va rien dire hein, on va faire comme si de rien n'était. Voilà. Toujours plus de clés. Là vous regardez, j'ai plein de dégâts, j'ai 4x3. Voilà, on va utiliser un peu d'argent ici. Non mais non, oh là là, pourquoi il fallait... Non. Ben voilà, c'est ce qu'il me fallait. Tu vois quand tu veux. Tu vois que tu peux. Donne-moi un petit scatole s'il te plaît. Allez, allez un scatole. On va utiliser jusqu'à 30 jusqu'à ce qu'il me reste 30 pièces. Un cœur. Non merci, c'est pas ce que je voulais. J'aurais voulu un cœur spirituel, mais pas un cœur normal. Trop de réceptacles de cœur, c'est n'importe quoi. Ah bah voilà ce que je veux. Voilà. Non. Voilà. On continue jusqu'à encore une pièce. La dernière pièce. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tous les cœurs. Je sais que c'est très dangereux ce que je fais. Mais bon. Puis après je vais prendre ça parce que si je veux des cœurs ce sera utile. Et on refait jusqu'à 30 pièces. Hein. Désolé si ça prend un peu de temps mais je veux pas perdre. Enfin, elle dit je veux pas perdre mais je me mets à un cœur donc c'est pas mieux. Allez, une dernière pièce pour celle-là. Non, finalement non, il veut pas. J'ai dit. La musique elle me rentre dans la tête. Des clés, toujours des clés. J'ai 22 clés, j'ai de quoi faire. Si je trouve un mendiant à clés, ça va être marrant. Voilà, on reviendra plus tard si jamais on a besoin. Déjà aller là. Lucky Food, j'aurais peut-être déjà dû prendre depuis le début ça, tu vois. Enfin, vous voyez, pardon. Vous avez oublié. Allez, réveille-toi, toi. Non, pas de range down. Non, merci, j'ai ce qu'il faut. Ça peut pas être ici, la salle secrète.
Cet étage, je le visite à 100%, et à partir du prochain étage, je les rusherai jusqu'à... Enfin, je trouverai le boss, et si je trouve le boss, ce sera bien. Sinon, voilà quoi. Sinon, on devra faire l'étage en entier. Non mais... On se fout de moi. Encore heureux que j'ai pas été touché parce que là... J'ai un de ces puissants knockbacks là, c'est... Je comprends pas d'où il vient. Non mais je vais arrêter de faire ça ou de mourir comme une merde. Cœur noir, je m'en fous, c'est intéressant. Que dalle, m'en fous, c'est pas intéressant. Voilà. Si je m'appelle bien, c'est un range down, ça, c'est bien ça. Je sais pas comment j'ai réussi à l'esquiver ce coup, mais j'ai réussi en tout cas. Donc pour moi la salle secrète se trouve juste ici. Non. Non, elle est pas là. J'ai remarqué un petit détail juste après, mais c'était trop tard. Non, oh lolo, j'ai eu chaud. Ce cœur là. Ouh oui, très très bien. On tente la pilule, tears down, pourquoi pas. Je crois que j'étais déjà minimum, c'est pas grave. Ça, on va mettre les pièces dans le stock. Et comme par hasard, elle casse à la dernière, c'est bien ce que... Enfin, c'est bien quoi. C'est vrai qu'on ne voit pas la salle secrète. C'est assez chiant, va-t-on dire. Par contre, elle peut nous dévoiler où elle est. Avec le positionnement, et elle était pas là. On se fait pas écraser pour rien. Ce serait dommage. J'ai pas beaucoup de dégâts, mais ça va, c'est tenable. Je fais n'importe quoi. Non, 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 mais tu apparais et tu me touches déjà. Lag. Ok, bah je vais perdre. Voilà, bien joué. Je vais me faire défoncer au prochain étage. Oh là, j'ai perdu. Va falloir que je récupère les cœurs. Comme ça j'aurai encore plus de dégâts. Marrant. Là j'ai le droit de me prendre que un coup de môme, sinon après je meurs. Et si je me fais toucher par un ennemi, et ben j'ai pas le droit de me prendre de coup de môme. Ah ouais, et je peux pas sortir. La bise. Waouh, un cœur spirituel pour tout faire. Lockdown, non merci. Bah, on a perdu. C'était bien. C'était bien.
crois qu'après pour les runs avec ce personnage là. Je les ferai de mon côté. Bordel. Ce personnage là, j'en ferai plus de run en vidéo. Je vous préviens, je le déteste. Bon, allez. Bon, bah, on a perdu. GG. Voilà. Bon, bah, voilà, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime, surtout vous abonner à la chaîne. C'était TheZZ pour Jetty Pan HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée et vive les jeux vidéo.